Audience à la Cour constitutionnelle ce matin, le président de cette institution a échangé avec l'ambassadeur d'Algérie au Gabon. Les deux personnalités ont échangé bien sûr sur les questions relatives à la coopération. Olga Confort au Kinkali. Visite de courtoisie et de travail, c'est tout le sens à donner à cette audience entre l'ambassadeur d'Algérie et le président de la Cour constitutionnelle du Gabon. Après avoir présenté au mois d'août dernier ses lettres de créance au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'est tout naturel que Mohamed Antar Daoud échange avec Marie-Madeleine Boronzo sur bon nombre de questions en rapport avec l'état des relations entre l'Algérie et le Gabon. Le Gabon, relations qui se doivent d'être renforcées grâce aux différents contacts que j'aurai avec la plupart des responsables politiques. Je lui ai dit à Madame la Présidente du Conseil constitutionnel que nos relations doivent se hisser à un niveau nettement plus élevé, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'enseignement supérieur. Beaucoup de secteurs qui méritent d'être vus et revus. Des relations qu'il faut bien sûr réchauffer, a précisé le président de la Cour gabonaise, pour l'intérêt bien compris des deux peuples. L'Algérie étant une fenêtre sur l'Europe, ont reconnu les deux personnalités. Sa position stratégique et son expérience seraient donc profitables au Gabon, surtout en matière de relations commerciales. Tout comme il est important à renchérir, Madame le Président, de pouvoir redynamiser également ses rapports à travers le développement des associations telles l'Association des conseillers des juridictions africaines, dont la signature d'accords de siège d'Alger se fera incessamment.